Week-end d'entretien. Un week-end d'entretien un peu merdique. Je dois changer le mât. Ça fait 6 mois que le bateau n'est pas navigué plus. On a un problème sur le mât. Donc on a un nouveau mât. Voilà, le mât il est tout. Ouais, on sent bien au niveau, quand tu passes le doigt là. Quand tu passes le doigt, ouais, tu te sens bien quand même. Ouais, tout ça. Donc là il est tout, tout bouffé. Oui, mais il y a les. Alors, ça, c'est le mât d'Agapé. Bon, alors, Christophe, quelles sont les nouvelles d'Agapé? Bah, les nouvelles, elles sont moyennes, on va dire. Pour Agapé lui-même, ça va plutôt bien, mais le mât, il est par terre à côté. Ouais. Le vent, il est bien, bien soutenu, donc il ne se passera rien avant en début de semaine prochaine pour ce qui est du mât. Pour ce qui est de l'entretien, bah, on va pouvoir travailler. Il fait beau, il y a du ciel bleu. Ça va sécher vite avec ce qui souffle. Et puis, on va pouvoir s'y mettre. Là. Je pense qu'en 2 jours, on aura fait l'anti-fouling, probablement le végrage, peut-être quelques travaux de coque. Et voilà, le principal sera fait. Il sera prêt à repartir à l'eau. Quand on ne sait pas. Petite pause s'impose. Petite pause s'impose. Voilà. Je vais faire des sous-titres. Enlever le scotch. Oh merde. L'entretien est terminé, il ne reste plus qu'à poser le nouveau mât. Et ça devrait se faire dans la semaine, puisque pour l'instant il y a un problème de grue. Et puis en plus il y a un peu trop de vent. Et Agapé sera prêt pour la saison 2024-2025, avec de grandes navigations programmées.